Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo développée dans le cadre du projet Technosphère. La Technosphère est un projet de la province de Liège, cofinancé par le Fonds social européen. Il propose des animations gratuites dans toutes les écoles secondaires situées sur le territoire de la province de Liège. Ces animations permettent de faire découvrir des métiers scientifiques et technologiques sur des thématiques liées au développement durable tout en s'amusant. En effet, notre dôme futuriste renferme un jeu multimédia où les élèves vivent une expérience hors du commun à l'aide de nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle et augmentée. Mais nous vous en reparlerons plus tard. Passons au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une introduction aux énergies renouvelables, et notamment l'énergie éolienne. Mais avant d'aborder les énergies renouvelables, parlons un peu des énergies fossiles, telles que le gaz, le pétrole et le charbon. Dans la nature, ces sources d'énergie existent en quantité limitée et mettent un temps énorme à se former. On dit donc qu'elles ne sont pas renouvelables. Par exemple, il faut plus de 10 000 ans pour former du pétrole. Depuis leur utilisation par l'homme, les réserves s'épuisent rapidement car elles représentent 75% de la consommation mondiale d'énergie. De plus, leur combustion produit du CO2, un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle l'homme tente de se tourner vers les énergies peu polluantes et renouvelables. Pour être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain, une énergie renouvelable doit posséder un renouvellement naturel et rapide. Parmi ces énergies renouvelables, il existe notamment l'énergie solaire, hydraulique, géothermique et éolienne. C'est de ces dernières dont nous allons parler. Nous sommes les animateurs Technosphère et nous allons vous présenter notre maquette représentant une éolienne. Une éolienne est une machine incroyable, capable de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Le vent étant inépuisable et gratuit, il est donc par conséquent une source d'énergie renouvelable. Une éolienne est composée d'un mât qui peut mesurer jusqu'à 150 mètres. Il monte à cette hauteur pour pouvoir capter un vent plus fort et régulier. Véritable salle des machines perchée en haut du mât, la nacelle renferme tous les éléments mécaniques qui permettent à l'éolienne de fonctionner. Au bout de la nacelle, il y a une hélice, composée en général de trois pales. Par l'action du vent, l'hélice se met à tourner et l'éolienne peut produire de l'électricité. Mais pour cela, il faut une vitesse de vent de minimum 10 km à l'heure. Les pales sont profilées comme des ailes d'avion pour maximiser la rotation de l'hélice. Sur l'éolienne, on retrouve aussi un anémomètre. Il mesure la vitesse du vent. Pour des raisons de sécurité, quand le vent dépasse la vitesse de 90 km/h, un système de freinage stoppe le rotor, qui est la partie tournante de l'éolienne, et provoque automatiquement l'arrêt des pales. On retrouve également une girouette, qui permet à la nacelle et à l'hélice de s'orienter correctement par rapport à la direction du vent. Mais comment une éolienne permet-elle de produire de l'électricité ? Une éolienne permet de produire de l'électricité grâce à la force du vent qui fait tourner une hélice composée de trois pales. L'hélice est reliée à un arbre qui tourne en même temps qu'elle. Cet arbre, par le biais d'un multiplicateur de vitesse, transmet le mouvement de rotation à un deuxième arbre qui entraîne à son tour un aimant. Ensuite, l'aimant tourne au-dessus d'une bobine électrique, ce qui provoque une variation du champ magnétique à l'intérieur de la bobine, où se crée le courant électrique. Enfin, on n'a plus qu'à récolter ce courant et à l'acheminer vers le réseau électrique via des câbles. Nous tenons à préciser que cette maquette 3D de l'éolienne est une représentation simplifiée. Il existe deux types de parcs éoliens. Le parc éolien terrestre et le parc implanté en mer qui se situe à plusieurs kilomètres des côtes. Nous allons vous proposer une vision d'ensemble des différentes étapes de construction et de maintenance d'un parc éolien, ainsi que trois experts qui sont appelés à y intervenir, une climatologiste, un ingénieur en construction et un mécanicien de maintenance. Premièrement, il faut procéder à une étude préliminaire du vent, du sol, du territoire et de la biodiversité pour obtenir les autorisations de construction. Tout ceci réduit énormément les lieux disponibles pour construire les parcs éoliens. Pour l'étude du vent, le métier de climatologiste est très important. À
Un climatologiste est un expert qui étudie des données météorologiques. Il observe, relève et récolte des données atmosphériques. Il peut également comparer, analyser et interpréter les données collectées. Il mesure la vitesse du vent à l'aide d'un anémomètre et d'une gyromètre. Ces données servent à choisir le meilleur endroit pour l'installation du parc. Pour l'assemblage de l'éolienne, l'ingénieur en construction est indispensable. Il supervise la construction d'éoliennes du début jusqu'à la fin, du traçage des plans jusqu'à la gestion du déroulement de la construction. Il étudie et dessine sur plan les différents segments d'éoliennes. Il dimensionne les différents organes de l'éolienne et choisit les matériaux à utiliser. Et il établit des modèles 3D pour soumettre et tester virtuellement les éoliennes. L'éolienne est maintenant fonctionnelle. Elle va pouvoir produire une énergie verte et durable pour toute la ville. L'éolienne en fonctionnement a besoin d'être entretenue et des pannes peuvent survenir à tout moment. C'est là que le mécanicien de maintenance intervient. Un mécanicien de maintenance réalise l'entretien des différentes composantes mécaniques de l'éolienne. Il effectue le diagnostic et répare toutes les pannes qui surviennent, qu'il s'agisse d'un problème mécanique, hydraulique, de transmission de puissance. Il peut aussi participer à la mise en service des éoliennes et au test des nouvelles installations. Pour découvrir encore plus d'experts, leur métier, leur parcours professionnel et de formation, on vous donne rendez-vous dans notre dôme Technosphère. Demandez à votre professeur de nous solliciter pour organiser la venue de la Technosphère dans votre école. Vous pouvez télécharger nos fiches pédagogiques et nos parcours de formation gratuitement sur notre site internet www.technosphère.be. Nous avons aussi créé une version en allemand. N'oubliez pas de liker notre page Facebook pour suivre toutes nos actualités. Bientôt, vous pourrez télécharger l'application Technosphère sur votre smartphone pour découvrir les métiers scientifiques et technologiques de demain et les études qui permettent d'y accéder. Tout ceci en s'amusant. On espère que vous aurez appris de nombreuses choses et on vous dit à très vite dans l'aventure Technosphère. À très bientôt.